On recommence. Bienvenue tout le monde. Ça va être la première vidéo pour les crypto-monnaies. Pour les débutants, comment c'est avec la crypto. Je pense que c'est bon que je me laisse ça avec nos. D'autres ont fait des autres ICBB. Là. Je pense que ça peut être très très bon que je me laisse ça avec ça. Puis, vous montrer comment ça fonctionne. Fait qu'on commence. Fait qu'on commence par s'ouvrir un. Un compte. Il doit ouvrir là. Et faites la procédure d'ouvrir le compte. On commence par ça, on ouvre ça. Là, on fait des premières démarches, des photos. Là, on a besoin de ça, c'est pour acheter des cryptos. Là, on met en autre chose. Puis là, on le transfère tout de suite en USDD. Ça, c'est le Tether, c'est un stablecoin, ça suit le dollar américain. On a besoin de ça parce que nous autres, on veut pas faire de. On veut pas que notre. Quand on transige pas, on veut pas que notre valeur fluctue. Fait qu'on fait notre auto, après ça on fait notre dépôt. Puis là, après ça on s'en va. Après ça on s'ouvre un compte sur Vidéo, la main frère. C'est un petit peu plus compliqué eux autres là. Puis là, faut faire attention parce que les autres, quand tu transiges, là, ils vont t'as deux. On a deux mots de passe. Un mot de passe pour ton voiture de ton compte. T'as un mot de passe sur Transu. À chaque fois que tu fais une transaction, ils vont te demander un mot de passe. Fait que faites un mot de passe qui est facile à retenir, puis qui est facile à écrire. Fait que là, on voit mon portefeuille. Fait que là, ça, c'est la première étape. Puis après ça, ben, quand on veut. Bon, puis après ça, on vient. Mettons, on l'a déposé notre argent de l'autre côté, on l'a mis en jaune, puis là, il faut le ramener sur ce compte-là pour faire les transactions. Fait que là, ici, on va dans. Transaction. Attendez. C'est en wallet. Retrait. Bon, là, j'ai envoyé mes choses. T'as vu, ça. Dépôt. Allez. Puis là, on voit ça, le TR sur faux. Là, vous avez ça ici. Là, après ça, il faut aller l'autre côté. Faire le dépôt. Là, ici, on va dans portefeuille. Oh. Ensuite, on va dans retrait. Bon, les sites, le réseau, ben, on prend le même réseau, là. Bon. Là, on va aller de l'autre côté, on va de l'autre côté. Je fais copier. Faites pas copier comme ça, là. Faites copier, sinon ça marche pas. On met l'adresse là. Coller. L'adresse pas valide, ok. Celui-là, ici, c'est ça qu'on va mettre. Coller. Ouais, faut pas dire le bon en USDD parce qu'il n'y avait pas de Bitcoin. Là, faut prendre le même site. Là, avec le montant. Mais moi, je peux pas le faire parce qu'il n'est pas assez. Là. Là, ça se fait en 2 minutes. C'est presque instantané. Là. En 2 minutes, c'est transféré. Là. Les états ils disent la limite que tu peux transférer, c'est 100 BTC. 100 BTC, que c'est 500 000. Donc, voilà mes deux transferts, j'ai fait. Moi, j'ai fait un test au début. J'avais fait l'autre. On le voit, mais mon argent est dans l'autre compte à ce temps-là. C'est comme ça qu'on fait une transaction. On va faire entre les comptes. C'est quand même facile. Là. Ce côté-ci, on dans retrait. L'autre, c'est dans dépôt. Je vais faire un dépôt. On voit mes dépôts récents. La star, ben c'est là, il y a toutes ces petites cochonneries là. Parce qu'il fait des transactions, ça fait que ça donne des petites cochonneries. Ici, là, quand on veut trier, là, pour avoir les plus petits, on fait ça sur les têtes.
utiliser ça, c'est comme trop dangereux. C'est ça. D'après ça, on commence comme ça, on commence à faire nos dépôts, puis après ça, on se met des alertes. Et de la misère à comprendre les alertes, à comprendre les ordres. Et ça va être une autre vidéo. Je vais vous faire une vidéo pour les alertes. Les alertes, c'est plus, ça se fait sur, c'est plus facile à faire sur, avec l'application. Hein. Puis ici, j'ai pas encore trouvé où c'était. C'est ça. T'sais, hier, ça sonnait hier à 3 h. Les mouvements, c'est souvent le soir puis le matin, de bonne heure. 6 h du matin, puis. Fait que c'était la première petite vidéo pour commencer la crypto. Bon, je vais vous mettre tous les liens d'affiliation. Je vais mettre mes liens d'affiliation en bas. Passerez par ça va vous donner 20% de réduction si vous faites transaction. Fait que à la prochaine pour la vidéo, la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça va être comment passer des ordres. Puis mettre les alertes. Ok, bye.